vais faire des comptes à 5, à 4, à 3, à 2. Alors, complètement relâché, j'ai attendu 5 coupes d'impôts, parce que je suis dans le groupe, moi, je vais me rendre à l'impôt. Il y a un qui va pas forcément maintenant. C'est simplement mon claquement de doigts, tu vas te réveiller en plateforme maintenant. On peut faire comme ça. Ça peut être amusant aussi de faire comme ça. POUM! J'ai activé le bouton. Détendu, relâché, concentre-toi sur ma main. Vous savez comment ça vous plaît? Il va dire quelle est la couleur de mes yeux. Ok.
Quelle est la couleur de mes yeux? T'es sûr? Blanc. Nature. Ah non, on est bien d'accord que mes yeux sont blancs. Oui, ils sont blancs vos yeux, monsieur. Nature. C'est ton baladé, t'as des dettes préférées? Bah non, Tony. Non, c'est Stéphane Curie. Ah, c'est pas un basketteur? Ah bah écoute, concentre-toi sur ma voix, concentre-toi sur ma voix. Tu vas dormir très profondément à 5, à 4, à 3, à 2, très profondément maintenant. Quand tu vas te réveiller, l'hypnotiseur aura disparu de ton esprit. Je ne serai plus là, tu ne me verras plus. Impossible de me voir, je n'existe plus dans ton esprit. En revanche, tu verras quelqu'un arriver de loin. Stéphane Curie est à Châtelet. Tu verras Stéphane Curie à Châtelet. Je serai pour voir Stéphane Curie. Tu seras euphorique, heureux. Tu ne réfléchiras pas. À ton réveil, quand tu me verras arriver, je serai Stéphane Curie. Tu prendras ta godasse droite. Tu l'enlèveras, ça fera un magnifique appareil photo. Dans ton esprit, tu n'auras qu'une envie, c'est de faire un selfie avec moi. Tu travailles maintenant. Oui. Hey, ça va? Tu connais? Ah, oui, c'est une photo, non. Ça. C'est super, c'est une bataille. Ok, on fait la photo, c'est bien parce que j'ai un match. J'ai un match. Ok, super. T'es content de me voir? Tu veux un autographe aussi? Non, c'est pas. Non, t'as. Concentre-toi sur ma voix. Quand tu vas te réveiller, simplement, juste tu vas te redresser en équilibre. Inconscient d'Anthony, redresse-toi, reste en équilibre. Quand tu vas simplement te réveiller dans ton esprit, je serai complètement invisible. Tu ne verras même pas le moindre mouvement. Je serai invisible, je ne serai plus là. Tu ne me verras plus. Par contre, les objets qui voleront, toi, tu les verras. Quand tu vas te réveiller, je serai complètement invisible à ton esprit. Tes amis te diront que je suis à côté de toi. Mais dans ton esprit, tu te mettras un peu en colère après parce que je te prends un peu de ta gueule. Je suis invisible dans ton esprit. Réveille-toi maintenant. Mais il est là! Mais t'es con quoi, il est là! Ou quoi? Mais là! Il est là! Tu te moques de ma ou quoi? Mais ouais! Il est là! C'est bête ou quoi? Mais frère! Ouais. Il est con quoi! Mais il est là! Il est... Ouais. Mais c'est lui qui tient! C'est rien mon gars, wesh! Arrêtez de faire zormer, il est quoi là! Mais gars, t'as un objet qui vole là! Non, moi je vois que ça! Arrêtez de faire mais, ça! Mais pour toi, c'est normal! Pour toi, c'est normal! Mais non, mais c'est pas normal, wesh! Le numéro, tu vas dormir! Ah! Nature! Tu vis pas? Ta main se colle à ta tête. Elle se colle à ta tête, soudée, scellée, de plus en plus collée, de plus en plus soudée, de plus en plus scellée. Elle est simplement tellement collée que tu ne peux pas la décoller. Impossible de décoller, plus je tire dessus et plus elle se colle à ta tête. Anthony, check. C'est bon quoi? Viens. Wesh, Anthony, tu veux pas enlever ta main en dessous? Non, enlève ta main en dessous, il y a un truc, c'est des cheveux. Plan large, tu vas rentrer en train de rater. Non, Anthony, enlève ta main dessus. Ça, c'est back maintenant. Ah ouais. Ah oui, je me suis fait ça. Concentre-toi sur ma voix, tu vas avancer. Avance. Tiens-toi droit, écarte les bras, tiens-toi droit, écarte les bras. Et ton corps se durcit dans ton muscle, tes bras se durcissent, bien sûr, fermement. Certains points, ton corps est dur, complètement dur. Rapproche tes pieds l'un de l'autre et tu deviens une barre d'acier maintenant. Une barre de fer, une barre d'acier. Donc simplement, je vais te dire. Dors maintenant. Réveille-toi. Ça va, t'es bien? On va faire des choses plus sympas. Oui. Maintenant, ton prénom vient de disparaître de ton esprit. Les lettres s'éloignent, s'évadent, elles sont au bout de la mer. Tu ne sais plus ton prénom, tu les vois tomber dans l'eau. Impossible de te rappeler ton prénom, tu ne sais plus comment tu t'appelles. Ton nouveau prénom sera Ratatouille. Quand je te t'aideras, je te demanderai comment tu t'appelles, tu répondras Ratatouille. Mais pourquoi ça sera normal et plus fort que toi? Tes amis te diront, ce n'est pas Ratatouille ton prénom, mais tu te mettras en colère après. Quiconque te dira le contraire te mettra en colère. Et Ratatouille, tu travailles maintenant. Tu m'as dit comment je m'appelle, moi. Tu t'appelles comment, toi? Mais...
Mais tu t'appelles Anthony. Pourquoi tu t'appelles Anthony? Tu t'appelles pas Ratatouille. Je t'appelle pas Ratatouille. Attends, mais Anthony Ratatouille. Mais tu t'appelles Ratatouille, il y a cette langue. Tu m'appelles pas Ratatouille. Tu t'appelles Anthony. C'est toi. Le pouvoir de l'hypnose. Tu t'appelles Concentre-toi sur ma voix. Tu t'appelles Ratatouille. Retiens-le. Hé, t'as déjà vu un bonhomme de neige. Tu deviens tout. Tes yeux s'ouvrent. Tu es tout. Deux fois plus maintenant. Les pieds de Paul. Il est bien. Hey, le tourneur conscient maintenant. Vous voyez ses yeux, on voit la transe sur ses yeux. Retiens-le, reste bien avec lui. Hey, bonhomme de neige. Tu deviens tout mou là, tout mou, t'es tellement mou. T'as plus de force musculaire. Tu t'effondres sur toi-même, tu coules comme du loup. Ah ouais, tu coules. Ah là, c'est compliqué. Travaille-toi maintenant. Pause. Ça part en place de travail. Lecture. On est en conscience maintenant. On se travaille. Pause. Bonne neige. Le ratatouille, tu travailles maintenant. Il y a un truc qui est génial chez ton frère. C'est pas dangereux, Regarde, mets ton bras comme ça. Tu vas laisser tomber ton bras, sauf que quand ton bras va tomber, toi tu vas dormir. Je trouve ça. Concentre-toi sur ma voix. À partir de maintenant, tu vas juste avoir un problème pour retourner l'esprit. Tu vas te réveiller simplement, tu ne sauras plus comment t'asseoir. Parce que tes fesses vont se déplacer sur ton front. Tes fesses sont sur ton front. Tu vas essayer de t'asseoir, mais impossible de t'asseoir. Tu sais comment tu t'asseoir, tu t'asseoiras sur tes fesses. Tu feras en douceur, avec intelligence. Donc, on respecte, tu sais comment tu t'asseoir. Ah, t'es gâté. Allez, toi maintenant. Tiens, Anthony, va t'asseoir. Assieds-toi. C'est compliqué. Hein. Il prie ma chaleur. Assieds-toi, là, c'est bon. Hey, tu reviens au conscient maintenant. Non. Gros dodo. Sur ma voix. Désormais, tu n'as même plus de fesses. Tu ne sais plus comment tu t'asseoir. Tu vas faire utiliser toutes les stratégies, tous les moyens que tu veux pour t'asseoir. Mais tu ne sais plus comment tu tasses, comment t'asseoir. Impossible pour toi de trouver le moyen de t'asseoir. Tu n'y arriveras pas. Vas-y, on va s'asseoir, on va se faire une séquence. Assieds-toi. Viens, assieds-toi, on va faire une séance photo là. Vas-y, assieds-toi, je suis prêt. Assieds-toi. Bah, assieds-toi. T'as pas appris à t'asseoir? Assieds-toi. À partir de maintenant, je vais te montrer la lampe d'Aladin. Oh, et dans ton esprit, cette lampe, tu verras une fumée sortir, un génie. Tu frotteras la lampe pour faire sortir le génie. Sauf que toi, quand tu vas frotter la lampe d'Aladin, tu dormiras instantanément. Regarde toi maintenant. Tiens, la lampe d'Aladin, prends-la. Oh, frotte-la. Fais sortir le génie. Tiens-la, Vas-y. Frotte-la. Frotte. Oui, non. Tu travailles maintenant. Il y a Aladin, oui. Frotte. Avec moi maintenant. Fais sortir le génie. Après, il va nous porter une fois. Tu travailles maintenant en plein temps. Hey, tu sais chanter une chanson? Tu sais chanter une chanson? Au clair de la lune. Ça va, ça? Reste derrière. Merci. Reste derrière. Quand tu vas te réveiller, tu vas avoir qu'une envie, c'est de chanter au clair de la lune. Sans savoir pourquoi, quand je te dirai chante une chanson, tu vas chanter au clair de la lune. Sauf que quand tu vas chanter au clair de la lune, dès le premier mot de cette chanson, tu t'endormiras comme un bébé.
t'es en quart de la nuit quand je te dirais chanter une chanson avec toi mort. Alors, est-ce que tu peux chanter une chanson? Allez, quand tu vas te réveiller, tu vas voir derrière toi la plus belle femme du monde. La personne qui est à côté de toi est la plus belle femme du monde. Tu vas la draguer, tu vas lui demander son sang. Quand tu vas te réveiller derrière toi, tu verras que la personne qui te tient est la plus belle femme du monde dans ton esprit. Et tu auras des yeux juste écarquillés. Incroyable. Ouais, t'as vu la meuf derrière toi? Ciao, ciao, ciao. T'es belle, machin. Comment est-ce qu'on se passe? J'ai Discord. Ouais, c'est ta Discord? Ouais, c'est pas ton Discord. C'est une belle histoire qui commence. Hein. Mon Discord, c'est Bonheur de Neige, Cyril du Poivre à ta vie. Alors, je vais dire mon statut. Pour Aladdin! Comme une statue. On va rappeler qu'on chante une poète de l'espace. Statue! Du tout conscient du temps et de l'espace, complètement déconnecté du temps et de l'espace. Alors, tu vas très bien, tu vas marcher. Dès que je te dirai mon statut, tu resteras surtout bien dans l'équipe. Et puis, si je rappelle mon statut, tu n'auras plus conscient du temps et de l'espace avec ton mental. Vas-y, marche. Marche, va là-bas. Marche, 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 marche. On est équilibré, hein, surtout, on est équilibré. Anthony, ça marche va PV, t'as un marche PV. Statut ah. Smart. Madame Nélène.